Camp 70T, donc un fourgon avec les jumeaux à l'arrière à partir de 63 000 euros. Donc c'est un fourgon 4 places pour manger 5 places. Pour dormir, il y a 2 places et puis il y a 3 places supplémentaires en option. Donc, à l'intérieur, 2,10 m de haut et l'ensemble du véhicule, c'est 2,85 m de haut. Donc, il y a un Truma Combi 4 en chauffage et 133 litres pour le réfrigérateur. Bon, il y a des packs en option qui sont ici compris. Un pack porteur, un pack off-bao. Il y a un skyroof, il y a la moustiquaire qui est incluse. Enfin, il y a des options comme ça. Et puis, il y a un extra paquet, donc un panneau solaire, autoradio. Et puis, un lit additionnel pour une ou deux personnes. Donc, ce 70T Joa. Joa Camp, une marque du groupe Pilote. Donc, je vais aller voir dès que possible. Là, il y a des gens qui sont à l'intérieur, donc j'attends 2 minutes. Donc, la soute. Ici, donc là en face, bouteille de gaz. Petit rangement, bouteille de gaz et donc un accès soute réduit, mais bon, suffisant. Ici, un grand réfrigérateur. Et puis ici, le porteur, c'est du Citroën. Citroën, alors le 70T, et on est dans du 7 mètres. Alors ici, un truc que je n'avais pas vu qui est bien, il y a une lumière extérieure, éclairage extérieur aussi. Alors voyons voir ce Joa Camp 70T. Donc le T, c'est lit jumeau. Bon, ce véhicule, il est assez grand, hein. Et en plus, il y a une impression de longueur qui est amplifiée par le fait qu'il n'y a pas de cloisonnement entre la chambre et le véhicule. Donc ici, porteur Citroën classique. Ici, il y a un skyroof ouvrant. Et donc cabine décaissée. Donc on peut tenir debout au-dessus de la cabine, ça c'est sympa. Alors ici, il n'y a pas comment dire, d'occultation des fenêtres et latérales et du pare-brise devant. Mais par contre, il y a le rideau, quoi. Ils fournissent un rideau qui est installé là, et donc deux rideaux enfin qui viennent se rejoindre au milieu, là qui isole la cabine du reste. Donc c'est ce qu'on va voir après. Donc alors ici, une grosse table plateau, le salon en L. Alors la table est un peu haute, je sais pas si on peut la régler en hauteur, j'espère. Elle est un peu haute, mais par contre ça fait pas mal là, le décaissé avec le skyroof et les rideaux, ça fait un beau petit combo, hein. Donc là, il y a une chaise là, donc pour une personne, 2, 3, 4, 5, on tient très facilement à 5. Alors ici, il y a tellement de place qu'on peut mettre un tabouret ou un fauteuil pliant additionnel. Donc on peut être facile à 6 sur ce plateau là, c'est bien ça. Donc au-dessus du petit siège là, ici, il y a un rangement ici. Alors au-dessus de la cabine, il y a un tout petit espace où on peut glisser des bricoles là. Et au-dessus, donc du salon en L, il y a aussi deux rangements additionnels. Donc il y a de la place. La cuisine toute simple, avec ici un petit espace derrière pour ranger 2-3 bricoles. Alors, pour terminer sur la cuisine, il y a un grand réfrigérateur Dometic Slim. Et en dessous, il y a du rangement, une poubelle aussi. Et là, il y a un petit espace, je ne sais pas si c'est un raté ou quoi. Il y a un petit espace. Donc l'espace cuisine, hein, sympa. Alors derrière la cuisine, alors là, les bains, lavabo, toilette,
rangement. Petit rangement. Et c'est un système vario. Donc si on veut aller aux toilettes, rien de plus facile. On se met comme ça. On ferme. Le truc est un peu dur quand même. Hein. Il faut être musclé parce que le rideau est assez grand, hein, assez imposant. Et donc du coup, il est très lourd. Hein. Un peu imposant. Et si on veut prendre une douche, on a un système vario en fait. Donc ici, on a un petit cliquet. On rabat toilette. Et puis on a ce système là. Et donc la douche qui apparaît. Alors on peut. Ouais, c'est bon. Bon, ici il y a une fermeture, elle est déjà pétée en fait. Mais bon, on peut normalement bloquer le système de douche. Et alors la douche. Voilà, il y a une bonde. Et il y a un petit passage de roue, mais pas très grand, donc ça va. Alors la douche, si on ferme. Donc ça donne ça. Hein. On a la place. Hein. Bon, ici, il y a le passage de roue, donc c'est. On a la place. Il y a un lanterneau au-dessus. Bon, c'est. J'ai vu mieux, mais bon. J'ai vu mieux. Et puis voilà, donc ensuite on referme le vario quand on a fini. Et ici, ça se bloque. Alors, sinon, il y a juste au-dessus du lavabo un petit miroir pour se regarder. Donc, espace bain qui est assez fonctionnel. C'est pas le plus top que j'ai vu, mais bon, il fait le job. Alors pour terminer, le couchage, la chambre. Donc la chambre, deux lits jumeaux, une extension. Est-ce qu'on peut fermer l'extension? Ah, ça va mieux comme ça. Donc il y a de la place là. Il y a de la place parce que on a. Là, c'est un point fort de ce modèle quand même. Hein. Le couchage, il est sympa là. Il y a de la place quoi. Lits jumeaux sur des véhicules larges. Hein. On a quand même. Ici, c'est bien fait. Hein. C'est simple, mais c'est nickel. Hein. Bon, peut-être qu'ils auraient pu faire les matelas plus larges là et un tout petit peu moins larges là. Parce qu'ici, en fait, on peut quasiment faire une boum. Il y a des marches. Il y a un espace énorme au milieu. Et donc, si on rabat le truc, ça fait un lit, un espace lit monstrueux. Alors, il y a des rangements au-dessus. Rangement standard, hein. Là, il y a deux liseuses. Il y a des têtes de lit. Ils auraient pu en mettre trois. Hein. Ils sont rapia, là, les gens. Alors, deux fenêtres. Deux fenêtres. Un tout petit lanterneau. Donc, beaucoup d'espace dans cette chambre. Du rangement. Sous les lits jumeaux, comme d'habitude. Ici, c'est du rangement. Est-ce qu'il y a une penderie? Pas de penderie. Penderie? Oh, notre penderie. That is the question. Yes, penderie, on dirait. Oui. Et donc, dans cette chambre, on peut tenir debout. Ça, c'est bien. Et si on tient assis, il n'y a aucun problème avec la tête. Hein. On a de l'espace au-dessus. Hein. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, pour moi, le point faible à améliorer, peut-être ici, c'est la salle de bain. Vario, qui pourrait être un peu mieux. Enfin, moi, je trouve que ça pourrait être mieux, mais bon. Après, c'est une question de goût. Allez, c'est parti.
Okay. Et sinon, juste pour finir, grosse soute à l'arrière, donc j'avais déjà vu en fait, grosse soute à l'arrière avec ici un LED échauffé et une prise. Il y a tout ce qu'il faut dans là. Il y a des accroches, ouais. Il y a des accroches plastiques. Donc il y a tout ce qu'il faut dans la soute.